Ah bah bravo, bravo. Moi, j'attendais que tout revienne à la normale pour reprendre les vidéos du lundi. Et qu'est-ce que j'apprends? On y est, zone d'alerte maximale. Les bars, rideau. À partir de demain, un mardi putain, le début du week-end à Toulouse. Ah, ça m'a foutu une claque. Hein. Que les bars ferment pour moi, c'est un peu comme si tu disais à un ariégeois qu'il n'a pas le droit de coucher avec sa sœur pendant 15 jours. Bah, les brebis ont intérêt de courir vite. Le gars, cette année, qui a ouvert un complexe bar, restaurant, boîte, salle de sport, mariage, avec piscine pour l'événementiel, il a eu du pif. Ça doit être le même gars qui a ouvert une boutique de fringues au Cap d'Agde. Par contre, ah, c'est le patron du Shanghai qui a eu du nez. Hein. Il a tout vendu avant tout ce bordel. Ça, c'est le popper, ça. Ça élargit les idées. Ah non, mais ras les masques. Moi, mes potes, ils travaillent soit dans les bars, soit chez Airbus. Et puis ça manque, les queuleux, les taquitos, les petites olives. Alors fermez les bars, ça va peut-être éviter que bourré t'envoie des textos à ton ex à 4h du mat. D'accord, mais ma passion à moi, c'est de casser des glaçons sur le comptoir avec mon front. Ah ben elle est en train de changer la vie nocturne à Toulouse. Alors qu'à Mazamet, ça n'a pas bougé. Solution hydroalcoolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'alcool la solution. J'ai raison ou j'ai pas tort? Moi je suis sûr qu'une pinte de Suze, ça fait crever n'importe quel virus. Et la nature va reprendre ses droits. Ah ben dans 15 jours, la place Saint-Pierre, c'est la forêt de Boucon. On n'est pas à l'abri de voir des sangliers se prendre des mètres de pastis. Et y a pas que Toulouse. Colomiers, Tournefeuille, Blagnac, Plaisance-du-Touche. Alors que Plaisance-du-Touche, c'est quand même pas Ibiza. Cugnot, Balma, Castanet, Saint-Orens, L'Union, Portet, Ramonville, la ville du jambon, La Beige, Aucanville, Le Naguet, Auzeville. Je savais même pas que ça existait, moi, comme bled. Et Quinte, Fonce-Grille, rideau. Les bars, merde. On pense à l'aspect social des bars. Les rencontres Tinder dans les bars branchouilles. Les blagues sur le Covid dans les bars de village. Dis donc, GG, donne-moi le nom d'un acteur pandémique. Covid Cornillac. Un duo de chanteurs dont un cas contact. Covid et Jonathan. Et les PMU, les gars. Comment on va claquer l'argent de la CAF s'il n'y a plus les PMU? Après, moi, je me plains pas trop. On a le droit de continuer de jouer nos spectacles. Oh, d'ailleurs, je vous conseille la nouvelle création de mon épouse, Mélissa. Elle joue tous les mercredis. Allez-y, hein. En plus, moi, ça permet, pendant qu'elle joue, d'aller au bistrot. Bah non, du coup. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Moi, je vais aller prévenir mes voisins que pendant 15 jours, ça a été un beau bordel dans l'immeuble.